Vanessa Beecroft est une artiste photographe américaine d'origine italienne, née en 1969 en Italie, résidant actuellement à Los Angeles, en Californie. Beecroft est une figure majeure de l'art féministe contemporain. Elle crée des sculptures vivantes construites par la mise en scène de dizaines de femmes. En même temps, c'est une artiste qui suscite des polémiques, puisque son œuvre est souvent orientée vers le marché. À partir de 1914, après ses études d'architecture et à l'école de Beaux-Arts en Italie, l'artiste commence une série de performances portant sa marque personnelle. Un groupe de personnes archétypiques, militaires en uniforme ou femmes nues qui se tient debout pendant des heures. Elle réalisa de nombreuses performances en Italie, notamment à Milan, avant de s'installer à New York aux États-Unis en 1997. La femme est le principal point d'intérêt de Vanessa Beecroft. Le corps féminin devient une sorte d'uniforme. En exposant la nudité, elle critique ouvertement les médias qui créent une seule image de la femme comme un objet sexuel. Dans la plupart de ses performances, les participantes sont toutes nues, avec des attributs typiquement féminins, tels que des hauts talons. Elles sont toutes nues avec une position statique lors de l'exposition. Un discours sur la mode et les problèmes du culte du corps, de la genèse et la beauté s'ouvre. Le statut social de la femme au travail est en effet souvent basé sur ce schéma figé. Le suspense dans ses compositions est très fort parce qu'il est généré par des tabous brisés et des idéaux de beauté anciens, ainsi que par le contraste entre l'érotisme du corps nu et la fascination des mannequins et des poupées nues. L'artiste prend un engagement contre le stéréotype à propos du rôle de femme dans la société. Ceci est également une question de ce qui est notre identité et ce qui la crée vraiment. Beecroft crée des structures pour les participants de ces événements vivants afin de mettre en évidence la fugacité de ses compositions. Ces spectacles sont des rencontres existentielles entre les modèles et le public. C'est la confrontation de la honte et des attentes. Chaque performance est faite dans un espace spécifique et provoque souvent des questions touchant à la politique et l'identité dans la relation complexe entre le spectateur, le modèle et le contexte. L'œuvre de Beecroft apparaît difficile à situer. L'artiste décline ses performances subversives pour le plus grand nom de la mode depuis 1990. Prada, Tom Ford, Valentino ou encore Dolce Gabbana sont autant de grands noms associés à ses créations. Elle présente son œuvre à travers le monde entier, de la Biennale de Venise au musée Ludwig de Cologne, de Londres au Guggenheim de New York. D'un côté, son travail se situe parmi les œuvres orientées vers les institutions culturelles, de l'autre vers des œuvres orientées vers le marché. C'est pourquoi, malgré la beauté de ses œuvres, son travail est souvent critiqué. L'artiste est attaqué par les uns qui critiquent son approche qui exploite les femmes et elle est glorifiée par les autres comme l'artiste féministe. Vanessa Beecroft controverse et choque, c'est certain, mais elle nous rappelle aussi combien l'apparence incarne aujourd'hui la plus grande profondeur. À travers ses œuvres, elle questionne le rôle des médias dans la création de notre propre identité dans le monde d'aujourd'hui. Merci.